Ok. Le noir. Le noir. Ouais. Le couleur noir, c'est la guerre. La guerre contre l'or. Le paix. Le paix. Le noir, c'est la guerre. Ouais. Le blanc, c'est le paix. C'est la paix. Le vert, c'est la terre. Ah, oui, d'accord. La terre, notre terre. Ah, oui, oui. Le rouge, c'est le sang. Ah, oui. Le sang qui marche. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui, on peut commencer. Uh-huh. Ça y est. Ça y est, bien. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ton histoire. Mon histoire? Je suis un des pays sahraouis. Il y a beaucoup de problèmes, comme le pays Maroc. Nous tenons à travailler, nous tenons la comida bueno. Et on ne mange pas bien, on ne travaille pas. Et nous sommes des jeunes. On veut construire un monde, il y a un pays bueno. Mais il y a des problèmes. Mais on a beaucoup de problèmes comme les voleurs des pays. Tu sais comment c'est que les voleurs des pays, le ministre, la famille des ministres, sabe? Le monde arabe qui a des problèmes. Et c'est le monde où le ministre se roba. Tu sais que c'est que roba, voler, sí. Les voleurs. Non, je parle beaucoup parce que je ne crois pas que je crois. Je veux mi voz. En la grabación, ¿vale? Ah. No hablamos, esto es como eso, ah. ¿Vale? Pero tu historia. Mi historia, yo soy venido en Patera, de Marruecos y de Sahara, entre Mauritania y Marruecos, yo vine en Patera, al menos 3 días, en Mori, yo tengo un poco de dolor, en Niapadó, en Niapadó, con cosas a morir, 3 días. Je suis venu ici pour chercher une autre vie. Et si bien pour chercher la vie ici. Il n'y a pas de travail dans notre pays, on n'a pas la tranquillité, on n'a pas la liberté. On cherche la liberté. Je veux la liberté du pays sahraoui. Un pays de liberté, il y a de travailler, il y a tout. On sort sans le royaume du Maroc. Podrías hablarme de tu passage entre Marruecos et las Canarias? La historia del passage? El Mori? Sí. En détails? Mucho. Sí. Mucho, mucho. Difícil. Muy difícil, muy difícil. So, pour venir de Sahara à Canarias, il y a beaucoup de problèmes. Primero, tu veux sortir à la nuit, tu ne peux pas sortir le matin. Et tu marches en mer la nuit et le matin. Et le soir, tu n'as pas d'eau. Si, combien d'eau l'autre pour rendre? Il a quelque chose à manger, n'est pas. Et la comida, non cas. Tu ne peux pas venir libre. La patère se charge, non? Claro, la patère. La patère se charge. Tu sais que c'est la patère, le barco pequeño, tiene l'agua dentro, falta trabajar para coger l'agua para fuera. Y si el mori tiene problemas, puede morir la gente, 2, 3. Y se gran riesgo. Y conmigo, si viene nosotros, si viene 26, si muerto 3. ¿Cuándo conocías a esta gente que muere? Esos saharaui, sí. ¿Tus amigos, a familia? Claro, amigos. Pero no pude ir. Lo siento. Claro, yo lo cogí para el mori y no pude ir. ¿Cómo puedes decir? No hay ayuda. Es llamar a la policía canaria, si viene, nos trae después a Marruecos, después tiene problemas con la policía de Marruecos, y con nuestro país, no hay libertad. Son muchos para nosotros. ¿Has llegado en la playa de Puerto Ventura? No. Entrar en la playa, no. Para fuera de Canarias.
Par exemple, la plage était ici, on va entrer en haut, des Pueblos. Entre Pueblo et Pueblo, on a la mort, la mer, ici Libertad, non playa, non cas, et entre playa, à la noche. Et à la tarde, si tu coges la police, et tu peux se faire en prison, pour 20, 40 jours, 30 jours. Aqui? Si, 30 jours, ça dépend. Il y a quelqu'un qui entre au prison 20 jours, il tient la liberté. Il y a quelqu'un qui entre au prison 3 jours, 40 jours, ça dépend. Et tu coges en Marocco, il n'y a pas de problème. Mais la guerre tient la liberté, meilleur. La guerre tient la liberté, comme Cruz Roja tient la liberté. Comer, dormir, aider, il n'y a pas de travailler, non, car. Y buscar a trabajar y mejor para nosotros trae otro, ¿cómo se llama? Otro Cruz Roja de otro país, que él se fue con ella para ayudar mejor que aquí. Ok. Y por el público, la gente española no hay problema con él. Hablar bueno, comer bueno, dormir bueno. Te tratan bien. Claro. Muy bien. Muy bien. Gracias por tu historia. No, no pasa. ¿Puedo tomar una foto de ti? ¿Está de acuerdo? No, no, no. La misma chu. Mshayna. Sí. Una más. Por la bandera tiene miedo que vuelva a Marruecos y le manda al preso. ¿Preso? Sí, si van a Marruecos con esta foto. Sí, está bien. No es la libertad, no. Una familia conmigo no pasa. ¿Tienes miedo? ¿No, que no, ¿quiere no, que no, no utilice no. esto? No, no, no. Él no va a hablar. De todas maneras, no voy a utilizar eso para la publicación. Eso solamente para mí. Ah. La grabación lo voy a utilizar en el público, pero eso no. Ah, solo... lo mismo. No pasa nada. Vale. Él quiere que el público vea todo. Vale. Claro. Bueno. Si quieres... ¿Lo puedo publicar? ¿En Dinamarca? Sí. Nosotros queremos que no pasa nada, en Dinamarca es mejor. Bueno. En todas las revistas, en todos los periódicos. Sí, voy a hacerlo lo mejor. ¿Tú quieres que tú coges la fotocopia para adherir a eso? Lo voy a enviar a tus amigos para recordar. Sí. Esos son el amigo de Mohamed, que se llama Ahmed. El número. Todo lo tengo aquí. Y para eso. Está bien. Estamos todos. ¿A ti? William era mejor ahí. Hola. Hola, maintenant on va parler. On va parler français. Je parle bien. Parle bien, c'est William. Oh, mío, ¿cómo? De la rola, Flor, de qué. En la cara es. Ce que je préfère, c'est ton histoire à toi. L'histoire de ton pays, je l'ai déjà. Ok? L'histoire de moi. Sahara, de toi seulement. Seulement ton histoire. En 1999, j'ai participé à une organisation sahraoui qui fait des manifestations, qui crée dans le mur pour demander au ministre marocain du travail pour demander des papiers, pour aller à l'hôpital et pour tout ça, pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'il dit? Et après ça, j'ai participé forcément, avec une grande force, à l'armée de Maroc. Je suis un sergent. Je me souviens, si je suis au Maroc, j'ai passé à l'armée de Maroc. J'ai resté ici 8 ans. 8 ans à l'armée. J'ai passé toutes les frontières du Maroc contre mon peuple, le Sahraoui. Le Maroc veut que je prenne l'arme et fasse la guerre avec mon peuple, c'est interdit. C'est... Pour toi, et après ça, je prends la patrie. C'est très dur. Parce que je suis un homme sahraoui, pas un homme marocain. Je dois défendre contre les Marocains, contre tous les ennemis marocains. Et j'ai passé à la frontière du Maroc contre l'Algérie et le peuple sahraoui, presque 8 ans.
Après ça, après plusieurs fois, j'ai demandé ma demande de libération pour quitter l'armée. Ils sont refusés, ils m'ont amené à la prison. J'ai passé beaucoup de prisons à Kaspitel, à Ouazazet, à Bengrir. J'ai passé presque. Je suis engagé à l'école royale d'infanterie à Bengrir, près de Marrakech. J'ai passé ici 2 ans d'information militaire. Il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je ne veux pas que je sois un soldat et un sergent. Je veux la liberté, je veux continuer mes études à la fac. Ils ont interdit de faire tout ça. Et j'ai passé presque un an sur la prison. Après ça, j'ai passé à Kaspitada pour faire la spécialité. Presque 9 mois. 9 mois de spécialité, tu dois faire une spécialité sur un arme. 14-5 ou bien 12-7 ou bien Kalachnikov, et bien tout de suite, spécialité. Moi, je ne veux pas l'armée. Je veux vivre libre. Je veux continuer mes études. Je veux beaucoup de choses. On est obligé, tout le monde est obligé à rentrer dans l'armée. Si. Tout le monde, tous. Non, moi aussi, moi seulement. Pourquoi toi? Parce que j'ai déjà participé à une organisation sahraoui. C'est pour te punir. Si. La punition. C'est une punition. Après ça, je suis. Ils m'ont obligé pour faire la guerre contre mon peuple, mon peuple sahraoui. Moi, je ne veux pas. Après ça, je suis passé à cette tête-là pour faire une spécialité. Moi, je refuse de tout ça. Chaque fois, je demande la libération, je demande ma libération. Après, chaque fois, ils me ramènent au présent. Chaque fois, je ramène avec une demande de libération de l'armée royale, ils sont refusés. Ils me ramènent au présent. Un mois, 2 mois, 3 mois. Presque, après, c'est peut-être 3 mois. Après, ils m'ont fait la mutation à Ouarzazate, au nord, ouest du Maroc. À Ouarzazate, j'ai passé Ouarzazate 3 mois. Et après ça, ils m'ont donné ma libération. Fini. J'ai retourné à Sahara occidentale en 2004. Je cherche mon organisation. Je retourne à la recherche de la liberté pour faire des manifestations toujours la même. Chaque fois, il me ramène autrefois au présent. Il m'a dit que tu as un contrat à l'armée royale 10 ans. Ils m'ont signé un contrat de 10 ans. Et après ça, ils me ramènent une autre fois à l'armée. Mais cette fois, à les frontières. Frontières contre le Maroc, l'Algérie. J'ai passé ici presque 4 ans. 4 ans aux frontières. Jusqu'à maintenant, en fait. Jusqu'à maintenant. Et chaque fois, je demande ma libération de prison. Chaque fois. Et le mois 5 2008, je prends mon congé normal, mon congé pour passer avec ma famille, mon congé. Je prends la patente pour ici. Le mois 5 2008, je suis ici en fait. En mai. Et comment ça se passait avec le pater? Avec le pater? Oui. Tu peux raconter l'histoire avec ça? On apprend le pater presque à 6h du matin. 6h du matin. 3 jours presque. 2 jours et demi sur mer. Sur mer. Les vagues. Le soleil est chaud. Beaucoup de gens, presque 30 personnes. On va rentrer au-dessus de Pater. Le bleu se entre au Pater. Tout ça. On est arrivé à Fuenteventura, à Lanzarote, à presque 8 17 heures. 17 mai. Le 17 mai à 8 heures. C'est même pas terre, c'est presque 8 heures du nuit. On a passé pour naviguer, bien entendu. On a circulé dans la ville. La police ne m'attrape pas. Puis à ma droite, je suis passé en montant. Je reste à ma droite presque 38 jours. Et je ramène ici à 3 jours. 3 jours.
Matoral, c'est là où vont les gens, premièrement. Si. Non, tu dois passer à commissariat 3 jours. Ouais. Et après, tu vas à Matoral. Tu vas à la justice. Mm-hmm. Le quatrième jour, tu dois passer à la justice. Ruiz. Ruiz. Ruiz, tu vas passer 40 jours à Matoral. Mm-hmm. Puis tu peux demander l'asile politique à Matoral. Si. Et toi, tu as le droit de demander l'asile si, à cause de ton histoire de soldat et tout ça. J'ai tout mis papier, les preuves, tout ça. Il y a un avocat gratis, il y a un politique gratis. Tu as la chance alors, si, comparé aux autres qui n'ont pas le droit. Maintenant, si j'ai retourné au Maroc, ils m'ont rattrapé presque 15 ans de prison. Ah oui. Si toi tu retournais maintenant. Maintenant, il va passer 15 ans. Et toi 15 ans de prison. Moi 3 ans, 4 ans. Et toi quoi? Si tu retournais au Maroc maintenant. Maintenant, je peux pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux passer au retour maintenant. Plus que 5 ans. 5 ans. Moi, je peux passer 15 ans. Parce que je suis un militaire, je suis un sous-officier. Est-ce que tu as de la famille ou... Bien sûr, nous avons de la famille, tous, nous avons des amis, nous avons... Une femme, des enfants? Non, des enfants. Moi j'ai des enfants, j'ai une femme, si. Okay. Et je ne veux pas vivre ici. Regarde comment ici la maison. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un du monde qui cherche la vie comme ici? Non. On veut vivre avec nos femmes, et nos parents, et nos amis, et nos... La guerre est vivre comme... Autre monde. Dormir, comer et se servir. Si? Dormir et manger sans travail, sans famille, sans pays, sans dinero, comment peut-il vivre ici? Au Maroc, il n'y a pas de loi. Ils sont racistes. La loi, un pays arabe, dinero. Il n'y a pas les droits de l'homme sont ouais, si. Foutus. Si tu es sahraoui, tu n'as aucune chance pour travailler, pour étudier, pour aller à l'hôpital, tout ça, sans interdit. Tu dois payer. Là, si tu es à l'hôpital, tu dois faire l'opération. $30 par jour. Moi, je ne pouvais pas payer ça. Si on tombe malade, on est foutu. Si tu veux travailler, tu dois passer à l'armée. Ouais. L'armée, ce n'est pas un bon métier. Non. C'est un métier de la guerre. Bon. Mais tu ne peux pas passer pour combattre contre les Sahraouis. Contre les hommes, contre les Sahraouis, il y a... Oui, mais... Voilà, c'est ça. C'est tiré de parler maintenant? Quiero que les parles ahora o no, mañana. No, mañana, papá. Mañana. Quiero prepararme bien yo mañana. Bien, bueno, pues. Atla Asi Hassan. Il veut parler avec vous. Quelle langue? Arabe? Sahraoui. Arabe, c'est bien. Parce que je ne comprends pas, mais ce n'est pas très important. Ah, tu veux quelqu'un qui parle en arabe mieux? C'est bien. Ce n'est pas mieux, parce que je veux aussi comprendre, mais c'est bien, parce que nous avons en français, en espagnol, français, et maintenant en... En arabe. C'est bien. Je raconte en français, mais en français. En français, si tu veux. Si. Ok. Son photo. Photo. Nationaliste, le drapeau. Voilà. Mais je me présente, ça s'appelle Chérif Hassan, j'habite au Gulmim, c'est le terrain des colonistes de Sahara, de Marocain.
Je parlais le problème de Sahara de Maroc. Il y a un problème de la haine de l'État marocain sur les jeunes. C'est le premier problème. Et ton histoire, tu peux me donner ton histoire à toi-même? Parce que les histoires de Sarah, j'ai déjà eu ça. J'habite au Guinée, dans le port de Sahara. Je veux te commencer l'histoire, son histoire, mais il veut te dire dans il habite. Ok. Avant, il veut te commencer l'histoire du début. D'accord. Combien de l'année là, il a dit 21, il est 22. Tu as quel âge? 21. 21, c'est bon. Et toi? Moi, 40 ans. 40 ans? Ouf, ça se voit pas. Si, 40 ans et 13 enfants. Mais le premier enfant, il a 18 ans. Ah oui, c'est d'accord. C'est et presque comme lui. Si, et l'autre, il a 14 ans. Et l'autre, il a 11 ans. Ok, ton histoire. Mon histoire. Tu as compris, non? Deux femmes. Je suis étudiant au Sahara et il y a un problème pour il n'y a pas d'aider comme ici. Il n'y a pas de. Il y a les. Tu vas faire les papiers, par exemple la mairie, la préfecture, il faut utiliser les personnages d'un personnage riche. Il y a les corruptions et il n'y a pas de l'égalité. Et il y a beaucoup de problèmes de travail. Mais on a au Sahara, il y a beaucoup de projets. Par exemple, de la mer, de pétrole, de tout. Mais le problème, les personnages restent au Maroc, l'État. Ils volent tout. Mais les autres, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de chance. Et rester dans la rue, tu vas parler, tu vas dire, par exemple, quand avant je fais la grève, pour il y a les jeunes étudiants et à la fac qui prennent la licence de l'informatique, l'avocat, étudie bien, il ne peut pas travailler. Mais il vient et en personne, même pas lire, même pas écrire. Il vient prendre un passé de travail. Okay. C'est ça le problème. Et je connais beaucoup de personnes étudiants et bien. Mais ne pas travailler, rester de la caille, de la rue, de la merde, de la misère, la galère. C'est ça le problème. Il n'y a pas de la liberté. Il n'y a pas de la liberté. C'est ça le problème, c'est pour ça que je venais ici à l'Espagne. Parce que c'est la cause de ça que je venais à l'Espagne pour aller à le droit étudier, le droit de travailler, le droit de tous. C'est ça. Je l'avais vu le 15 mai, du vendredi, 15 mai, 6 heures du matin. Dans Patera, nous sommes 35 personnes. Une seconde, on peut peut-être terminer là. 35 personnes sur le patera. Une seconde, on va recommencer. C'est mieux. Ok. 35 personnes sur le patera, je vais commencer à 6h du matin vendredi, 15 mai. J'ai resté dans la mer deux jours. Tu peux pas manger, si y a beaucoup de personnes. C'est ça, moi, venu entrer à la Lanzarote. Dimanche 19h le soir. J'entrais ici. Là, l'État espagnol l'a attrapé. Il l'a envoyé le 3 jours à la commissariat. Après, il l'a envoyé au Matoral, 2021. Après, je l'ai demandé pour asilo. Je lui ai fait asilo. Il a donné. Il a accepté. C'est ça, il a donné. C'est bien. Maintenant, il a mis Dieu droit, mais c'est pas bien. Maintenant, j'avais la cruz de roja à 20 mètres, partout où j'arrive. Je suis bien ici, c'est comme bien. Au Maroc. Ok. Là, ce n'est pas des permis de travail. Non, pas permis de travail. Seulement à résidence. Mais tu as le permis? Non. Non. Mais tu as le droit de demander?
Non, il a l'asile politique au premier, c'est 6 mois. Tu peux passer 6 mois en Espagne. Tu peux passer à Madrid, Barcelona, ici, à Las Lanzarote, en Espagne. Mais de travailler, non, tu ne peux pas. Depuis, d'après, tu peux le changer. Tu le prends à la police, tu donnes au autre, tu peux travailler. Il a la permission de travailler. Mais il a 6 mois. Peut-être. Si tu es tranquille, si tu as le droit. Tu peux. Bien, ok. Les photos. Anna Jbehawi.